Hello everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous ça, mes produits favoris de l'année 2020. Mes recommandations pour vous, pour vous faciliter le ménage à la maison. Mais aussi je veux partager avec vous 4 ou 5 produits bonus, mes découvertes récentes que vous devez essayer pour cette année 2020. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard, moi je m'appelle Lily, je vis en Angleterre, je suis maman au foyer de 2 garçons et je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et aussi un petit peu des décos. Donc si ça vous parle, si vous êtes curieux de savoir mes pépites, quels sont ces produits là qui me facilitent la tâche pour faire mon ménage à la maison, continuez de regarder, restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Sans plus tarder, passons à la vidéo, à tout de suite. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous partager enfin ces produits et répondre à beaucoup de commentaires que je reçois tout le temps. Vous savez, dans la barre de commentaires, sur certains produits que j'utilise dans l'entretien de ma maison. Sans ordre particulier, je vais d'abord vous présenter tous mes produits favoris de l'année 2020. Et le premier, il est tout simplement là. Quand je dis entretien de la maison, je parle de tout, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Donc mon premier produit favori, c'est celui-ci. Voilà. Comme son nom l'indique, c'est un weed killer. Je vous mettrai le terme en français sur l'écran. C'est une concentration de produits qui vous permet de tuer les mauvaises herbes si vous avez un jardin, si vous avez aussi un peu de paillasse à l'extérieur de chez vous. Moi, franchement, je déteste avoir à défricher, mais malheureusement, il faut que je le fasse. J'ai déjà défriché 2 fois cette année en fonction du climat. Et la dernière fois que j'ai défriché, mon mari, on était allé au store parce qu'on voulait acheter quelque chose qui va me permettre d'enlever ou d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Parce qu'il y a toujours les mauvaises herbes très très piquantes là. Et franchement, c'est pas très fun parce que j'ai des petits enfants qui aiment me joindre quand je fais mon défrichage dehors. Franchement, depuis que j'ai découvert ce produit, on l'a appliqué, ça fait 3 ou 4 mois. Et jusqu'à présent, aucune mauvaise herbe. Eh ouais, aucune mauvaise herbe. Ce produit-ci, si vous détestez les mauvaises herbes piquantes qui sont très dangereuses là, je vous recommande absolument d'avoir ça. Je pense qu'on l'avait acheté à The Range. Si vous êtes en Angleterre, c'est à The Range. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si vous êtes en France, je vous mettrai dans la barre de description. Je vais essayer de trouver ce produit et je vous le mettrai dans la barre de description. Si vous êtes intéressé, il est vraiment, mais vraiment très bien. Mon produit favori numéro 2. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous connaissez déjà ce produit. Ouais, honnêtement, il est super magique. Ce produit, c'est en fait, ça vous débarrasse de la moisissure. Ce spray-ci, depuis que je l'ai découvert, je suis aux anges. Dans ma maison, malheureusement, je souffre d'un peu d'humidité. Dans ma maison, surtout autour des fenêtres. Ici, à la maison, on est en location privée. Cette maison ne nous appartient pas. Donc, on ne peut pas faire de changements très drastiques. Je suis obligée seulement de bien prendre soin de la maison pour qu'on puisse rester en santé. Et ça, ça vous débarrasse de la moisissure comme ça. Comme par magie, je vous mettrai en vidéo là, chaque fois que j'ai pu utiliser ce spray, comment est-ce que ça agit. Je vous le recommande, si vous souffrez de moisissures comme moi, j'ai appris qu'il y a des peintures contre moisissures et tout ça là. Mais bon, comme je viens de vous dire, ça c'est pas notre maison, on n'est pas propriétaire, donc on ne peut pas faire de travaux très drastiques. Et ce produit-ci, non seulement il coûte moins cher, facile à utiliser et rapide, il est aussi vegan. Parce que chez nous à la maison, on est vegan. Par contre, je tiens à préciser que tous ces produits, tout n'est pas complètement vegan parce que je n'ai pas encore réussi à changer complètement mes produits de ménage en des produits vegan. Mais je fais beaucoup d'efforts pour cela. Mon produit numéro 3 que je vous recommande absolument, c'est mon aspirateur en main sans fil. Depuis que j'ai cet aspirateur en main sans fil, je suis tellement contente parce que ça me facilite énormément le ménage. Je me souviens quand est-ce que la dernière fois que j'ai fait le ménage de la voiture, j'ai lavé la voiture, j'avais dû utiliser mon Henry, le Henry. Vous savez, le Henry, il faut brancher, il faut tirer et c'est lourd. C'était pas facile du tout. Alors que maintenant que j'ai mon aspirateur sans fil à main,
chaque fois que je vais passer un coup d'aspirateur dans la voiture, je le porte, je nettoie et puis je vide et j'accroche tout simplement. Je ne repousse plus la tâche d'aspirateur parce que j'ai ça. Si vous pouvez vous le procurer, honnêtement, achetez-le. Si vous avez déjà un aspirateur sans fil, ouais, ça rend la vie super, super facile. Et aussi, ça vous motive à faire le ménage dans la maison. Mon produit numéro 4 que j'ai vraiment aimé et que je vous conseille, si vous voudrez, si vous en avez besoin, c'est celui-là. C'est un spray qui tue tout ce qui rampe. Moi, je l'ai acheté parce qu'à un moment donné, pendant l'été, nos fenêtres, à l'extérieur de la fenêtre, je ne sais pas trop, il doit avoir des petites maisons de fourmis. J'avais tout le temps des fourmis sur ma paillasse. Vous savez, au niveau des fenêtres là qui donnent à l'extérieur. Et c'était vraiment pas... Ça m'énervait, c'était dégoûtant. Parce qu'imaginez, ça peut entrer dans la nourriture, ça peut entrer dans les placards. Je savais pas quoi faire. J'avais essayé le vinaigre blanc et l'eau. Ça avait fonctionné. Ça, oui. Si vous avez le vinaigre blanc et l'eau, tout seul, ça fonctionne. Par contre, vous devez spray tout le temps. Vous devez vaporiser tout le temps et nettoyer, vaporiser tout le temps et nettoyer. Alors qu'avec ceci, je crois que j'ai vaporisé 1, 2, 3 fois. Et puis, c'est parti. Donc, ça prend du temps de revenir. J'ai vaporisé aussi à l'extérieur, au bord des fenêtres, à l'extérieur de la maison. Ça a complètement disparu. Non seulement, ça m'a réduit les tâches à faire dans mon ménage et tout. J'ai la paix et la tranquillité qu'il faut, surtout avec mes enfants. Le prochain produit que je vous recommande et que j'ai essayé, c'est ce produit-ci. Il ne manque pas ici à la maison. En fait, c'est un gel qui vous permet de débloquer les trous du lavabo. Oh là là, on m'avait déjà donné le nom de ça. Beaucoup d'entre vous m'aviez déjà donné le nom du trou du lavabo. Bon, je suis allée essayer de chercher, de retrouver le nom du trou de lavabo. Ah, j'ai pas pu, je sais plus. Excusez-moi, anyway, c'est fait pour cela, c'est fait pour débloquer. J'ai une bouteille en dessous du levier à la cuisine, j'ai une bouteille aussi ici en haut pour les toilettes du haut. J'utilise ça très régulièrement. Franchement, ce truc-là, il est important. Le fait que ça contient de la javel fait en sorte que je n'ai vraiment pas de remontée d'odeur dans les trous, dans les lavabos, chaque fois que je l'utilise. Vous pouvez aussi utiliser des cristaux de soude avec de l'eau pour déboucher vos trous. Maintenant, je vais passer mes 5 nouveaux produits que vous devez aussi essayer pour l'année 2021. Je les ai récemment découverts, donc j'ai commencé à utiliser. Et parce que ça me plaît déjà, je veux absolument vous en parler. Et je ne veux pas garder ça pour moi, vous me connaissez. Si un produit n'est pas bon, je n'en parle pas sur ma chaîne. Non, 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 non. Donc le premier produit, ma première découverte, c'est ceci. C'est écrit dessus Astonish Oven and Cookware Cleaner. Comme c'est marqué sur la photo, c'est fait pour les fours électriques. C'est une pâte à l'intérieur en fait qui vous permet de bien nettoyer les surfaces de votre plaque électrique. En général, moi j'utilise le tampon. Je ne cesserai jamais de le mentionner. Moi, le tampon, c'est une astuce que je connais depuis que je suis toute petite. Quand on grandit et qu'on a utilisé, ça faisait briller nos mamies, toutes nos plaques électriques sans les gratter. C'est pour ça que j'ai partagé plusieurs fois le tampon savonneux sur ma chaîne comme astuce pour faire briller mon levier et ma plaque électrique. Mais j'ai aussi découvert ça. Ça nettoie encore plus et en fait briller encore plus. J'ai une prochaine vidéo qui arrive bientôt d'ici quelques jours dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que j'entretiens tous mes produits électroménagers, comment est-ce que je fais, quelles sont les étapes que je prends et les produits que j'utilise. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien entendu, et activer la cloche de notification. Maintenant, mes 2 nouveaux produits que j'ai trouvés sont ceux-ci. En fait, ce sont des anti-calcaires. Celui-là, c'est un boule anti-calcaire pour votre bouloir. Pareil pour celui-ci, vous pouvez utiliser pour la bouloir, pour une cafetière ou pour votre ferraille passée. En temps normal, celui-là, vous devrez le jeter dans la bouloir. Mais moi, j'aime pas trop. Et ça fait le travail. Du coup, moi, j'ai préféré utiliser ça. Et je vous montrerai dans ma prochaine vidéo, bien entendu, comment utiliser ça. Je trouve ça plus simple, plus rapide. Et aussi, j'ai moins peur de l'utiliser que de mettre une boule métallique dans ma bouloir, que ça reste là. Voilà. J'ai oublié de mentionner que la raison pour laquelle j'aime beaucoup la marque Astonish, c'est parce qu'elle fait des produits vegan.
J'ai un autre produit que j'aime beaucoup et que vous avez déjà remarqué sur ma chaîne, que j'utilise tous les jours. C'est la marque Méthode. Je vous mettrai une photo là tout de suite. J'ai juste oublié de le prendre. Il y a une bouteille ici en haut dans la douche et l'autre en bas. Herb Purpose Cleaner. Avec ça, vous pouvez nettoyer tout, toute surface sans problème. Et voici ma récente découverte favorite. Franchement. C'est écrit dessus Clears Water Stainless Steel and Shine Remove Grease and Fingerprint Gentle on Steel Surfaces. Si vous remarquez bien la photo là, c'est fait pour nettoyer, vous savez, la ventilation au-dessus de vos fours à gaz ou électrique. C'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que moi, pour nettoyer la ventilation qui est au-dessus de mon gaz électrique, j'utilisais normalement le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Ça fait le travail, mais c'est très compliqué d'utiliser ces deux produits à la fois, parce que le truc est en haut et c'est vraiment pas évident, et aussi ça salit beaucoup. Par contre, ça c'est super. Et mon dernier produit, mon tout dernier produit, est ma récente découverte. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai toujours un petit peu négligé cet aspect-là d'acheter des désinfectants pour nos sofas. Donc récemment, quand je suis allée à Aldi, j'ai vu cette bouteille-là. Elle était même pas chère du tout. Je sais pas si c'était 1,29 € ou 1,29 € quelque chose. Voilà, vraiment pas cher du tout. C'est un désinfectant all-in-one disinfectant spray pour vos toilettes, désinfecter les toilettes, désinfecter les poubelles et les sofas. Je l'ai surtout acheté pour les sofas, genre quand on a des visiteurs et tout. J'utilise ça pour désinfecter les sofas. Après, quand le monsieur qui fait le courrier, le postman comes in, je désinfecte les manches des portes et tout ça là. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, faites-moi savoir si vous aurez aimé un petit peu plus d'explications sur un produit en particulier. Laissez-moi vos commentaires ou vos questions dans la barre de commentaires. Je me ferai le plaisir de répondre et je ferai le maximum de vous répondre à temps. C'est promis, c'est promis. Donnez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Tous les liens des produits mentionnés seront en bas. D'ici là, la prochaine vidéo. Oh, j'oubliais. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye. Le postier. On dit le postier. Oh là là, on m'avait déjà donné le nom de ça.